Ce module permet de visualiser l'aire de compatibilité climatique d'une espèce en climats actuels et futurs. L'aire de compatibilité climatique est définie par des seuils pour les trois indicateurs IKS, le déficit hydrique, la température minimale et la somme des degrés jour. Dans le climat actuel, des seuils sont déterminés pour chaque indicateur IKS à partir des points de présence de l'espèce, inventaire forestier européen. Chaque seuil correspond à la limite qui inclut soit 97,5%, soit 99% des points de présence. Les zones vertes correspondent au cas où aucun des trois indicateurs IKS ne franchit le seuil à 97,5%. Les zones jaunes correspondent au cas où au moins un indicateur IKS dépasse le seuil à 97,5%, mais sans franchir le seuil à 99%. Les zones rouges correspondent au cas où au moins un indicateur IKS franchit le seuil à 99%. Présentation du module et de son but. Retrouvez un tutoriel pour comprendre comment fonctionne le module. Parcourez la documentation du site à propos de ce module ou des autres. Dépliez le volet de filtre. Sélectionnez l'espèce forestière voulue dans le menu déroulant. Choisissez votre horizon temporel. Cliquez sur ce bouton pour appliquer les filtres et voir les résultats. Zoomez sur la carte avec les outils ou la molette de la souris. Les quatre cartes sont synchronisées. Gérez l'affichage via le gestionnaire de couches. Gérez le niveau de transparence des résultats IKS avec ce bouton. Sélectionnez les couches cartographiques à afficher. Les couches en bas de la liste sont en arrière-plan. Pour plus d'informations sur les variables climatiques, n'hésitez pas à consulter la documentation du site.